Un mois de juillet en jaune pour la ville de Pau. Le Tour de France 2015 passera 3 jours en Béarn à partir du 13 juillet. Un lundi, jour de repos pour les coureurs et l'ensemble de la caravane du Tour. Aujourd'hui était présenté l'ensemble des manifestations prévues par la ville, avec un moment phare le 14 juillet au soir, où après le défilé militaire, Pau fêtera le Tour avec un énorme feu d'artifice tiré au pied du boulevard des Pyrénées. Le fait que ça tombe au moment du 14 juillet nous donne effectivement la possibilité de faire un 14 juillet peut-être un peu hors du commun. Il y aura donc un bal qui aura lieu sur la place Royale, je tiens à le dire, parce que la place Royale devient un lieu d'animation et un rendez-vous des Palois pour tout ce qui est culturel et tout ce qui est populaire. Autre moment attendu par la ville, l'inauguration du mémorial Tour de France, le jour de repos, les géants du Tour au pied du boulevard des Pyrénées. 104 totems qui présentent chaque vainqueur du Tour depuis sa création en 1903. Images et commentaires de l'écrivain Christian Laborde. Après l'étape de la Pierre Saint-Martin le mardi, le Tour de France repartira de Pau le mercredi pour rallier Cauterets. Le village départ sera installé au parc Beaumont. Un tour de ville du peloton est prévu avant le départ réel de la course à hauteur de Bizanos.